Je m'éteins. Je meurs de l'intérieur. Je me noircis de l'intérieur. Je deviens un tas de cendres. Un amas de poussière calcinée. Car ta lumière s'échappe peu à peu de moi. Ton éclat me quitte. Et j'ai peur que rien d'autre n'apparaisse. Comme si les ténèbres allaient s'emparer de mon être. Je ne veux pas retourner dans ce monde dénué de couleurs. Le noir fait vivre mon air lugubre. Je ne veux pas m'éteindre à nouveau. Car c'est ta lumière qui m'a éclairé. C'est elle qui m'a réveillé. Elle a fait naître cette beauté qui dormait en moi. Maintenant, je sens les derniers rayons de ton âme. Qui effleurent mon cœur. Je discerne encore une lueur. Mais tellement faible, ton éclat me quitte. Et je m'éteins peu à peu. Les blessures d'homme. On parle beaucoup du féminin blessé, mais peu du masculin. Pourtant celui-ci est tout autant meurtri. Il n'existe pas beaucoup d'exemples pour les hommes pour incarner le masculin sacré. Ils se retrouvent avec des étiquettes de macho, de coureur de jupons, de matérialiste, d'invalide de sentiments. Les hommes changent et ne se retrouvent plus dans tous ces modèles de la société. Ils sont sensibles, recherchent l'amour et la tendresse tout en éprouvant une perte de repère. Ils n'arrivent plus à se satisfaire d'une carrière, du rôle de fort, brut et insensible. Les hommes tout comme les femmes recherchent du sens à leur vie, à leurs existences, à être reconnus pour qui ils sont vraiment. À s'ouvrir sur ce qui compte réellement pour eux, à se réaliser tout en exprimant leurs sentiments et émotions. Les hommes ont besoin d'être accueillis tout autant que les femmes. Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Il n'est plus être l'un contre l'autre mais l'un avec l'autre. Nous avons tant à s'offrir, à découvrir dans nos différences, nos aspirations, nos forces et nos faiblesses. La guérison du masculin est intrinsèquement liée à celle du féminin. L'un ne peut guérir sans l'autre, l'un ne peut se révéler sans l'autre. Le masculin est appelé à se transformer tout autant que le féminin sur notre planète. Si vous êtes une femme, offrez de l'espace à ces hommes pour se révéler. Et si vous êtes un homme, offrez votre authenticité. Déployez-vous dans votre vulnérabilité. C'est le chemin de votre réconciliation.